Non, ce n'est pas une manifestation, mais la séquence d'un clip tourné dans un parc à Auxerre. Françoise, dit Fanfan, en est la vedette et l'instigatrice. Greffée du foie il y a 10 ans, elle s'est entourée d'une cinquantaine d'amis pour faire réfléchir sur le don d'organes. J'ai voulu créer un événement, pas sur mon histoire, mais surtout sur la sensibilisation, pour que les gens se posent la question, pour que ça rentre dans les familles et que les personnes en parlent autour d'eux. Il y a 10 ans, une hépatite B foudroie Françoise et lui laisse 48 heures à vivre. Elle sera sauvée in extremis grâce à un donneur et la greffe d'un foie. Le clip marque cette date anniversaire. J'ai vu ces lanternes partir. Déjà, c'était un merci symbolique à mon donneur, mais à tous les donneurs. Fanfan a tourné plusieurs séquences, dont ce lâcher de lanternes sur les bords de Lyon. Derrière le sourire et la bonhomie se cache une miraculée. On m'a fait un cadeau. Donc je le prends comme un cadeau et pour moi c'est 10 ans de je revis, c'est 10 ans de sursis, 10 ans de vie que je n'aurais pas dû vivre. Donc j'en veux encore 10. Il reste une dernière séquence à tourner à l'hôpital d'Auxerre. Le clip sera ensuite diffusé sur les réseaux sociaux avec l'espoir de devenir viral. Comme Françoise, en France, plus de 57 000 personnes vivent grâce à un organe greffé.